Bonjour, je me présente Yannick Seyer. Bienvenue dans ce cours de sciences physiques où nous aborderons aujourd'hui le couple de force, le moment d'un couple de force et nous terminerons par un petit exemple avec une application numérique. Voyons tout d'abord, qu'est-ce qu'un couple de force? Eh bien, un couple de force est représenté ici par les deux forces F1 et F2 qui vont permettre l'ouverture ou la fermeture d'un robinet. Je vous ai dessiné ici une vue du dessus. L'axe de rotation est représenté en haut par le trait en pointillé blanc, ici, soumis à un couple de forces F1 qui va dans un sens et F2 qui va dans l'autre sens. En effet, il faut savoir que ce couple de forces a des caractéristiques, à savoir, d'une part, les droites d'action des forces sont parallèles et en plus perpendiculaires à l'axe de rotation. La troisième caractéristique est le sens. Les sens sont opposés. F1 va dans un sens et F2 va dans l'autre sens. Et enfin, quatrièmement, les valeurs de l'intensité sont égales. Voyons à présent le moment d'un couple de forces. Nous pouvons dire que F1 est égal à F2, c'est-à-dire F. Elle s'exprime dans les unités de Newton. Quant à la distance, D1 plus D2, va donc nous donner une distance totale D, qui s'exprime en mètres. Le mouvement de la force 1 sur le point O va être égal à F1 multiplié par D1 et s'exprimera en newton mètres. Pour la force numéro 2 sur O, c'est F2 par D2, ce qui, en résumant l'ensemble, nous pouvons dire que le moment de la force F1, F2 en O est égal à la force multipliée par D1 plus D2. Je vous propose pour terminer un exemple avec une application numérique. Soit une force F1 égale à F2 de 20 newtons, exercée donc sur le point O de rotation, où la distance D1 est égale à 2 cm. Je vous propose d'en calculer le moment du couple de forces F1-F2 sur le point O. Il est égal à 20 newtons, multiplié par D1, c'est-à-dire 2 cm, donc 0,02 plus 0,02, pour l'avoir en mètres. Ce qui va nous donner ici 0,8 Newton-mètres. Je vous remercie de votre attention, au revoir et à très bientôt pour un prochain cours.